Eh bien bonjour YouTube et bienvenue à toi. On continue Mister Prepper, bien sûr. On va refaire une heure de gameplay comme on fait d'habitude. Il faut impérativement que je mange. Voilà, j'avais plus d'endurance. Donc mon idée de génie, c'était éventuellement pouvoir. Je sais pas si on peut. On va tester. Il va jusqu'où le mec? Ah, il faut que je teste là et après il faut que je teste en haut. Ok, on va essayer de construire une pièce là. 3 heures, ça va me prendre. Et je vais voir si je peux pas faire un tunnel sur le... En fait, tu peux construire des trucs dans ton jardin, là. Comment ça? Bah, tu peux poser plein de trucs dans le jardin. Autorisé seulement. Ouais, mais après, il faut les recouvrir. Et là, maintenant, la vraie question... Ah non, je peux pas accéder au... Ok. C'était un test. D'accord, donc on va essayer de prendre ça et ça. Ok, c'est normal. On va se mettre ici. On va donc déposer les deux machineries. Une là. Une là. Et on va les démarrer. Je pense que je vais en refaire une troisième. Générateur à vapeur. Ensuite, je vais prendre du bois. Je sais pas combien je peux en mettre. Je vais en mettre que 3. Ouais. Ok. Parfait. Le frigo ici. Allez, j'ai pas d'eau. Si, 3. Est-ce qu'on a d'autres moyens d'aller chercher de l'eau? Effectivement, la pluie. Avant, j'avais beaucoup trop d'eau. Maintenant, avec mes cultures, j'en ai beaucoup, pas du tout. En fait, est-ce que t'as récolté de l'eau, mon petit réservoir d'amour? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On va manger ça. On va prendre ça, parce qu'avec un peu de chance, on peut peut-être les revendre. Il faut vraiment que je m'occupe de mes cultures. Ah oui, mais il n'y a pas le facteur. Je peux rien vendre. Je suis baisaï. Toute la journée. Ok, là on a la machinerie, c'est bien ça. Donc là on va planter. On va planter quoi? Betterave. Là on va planter carotte. Et il nous faut une parcelle de terre. Le tournesol il ne sert que à vendre. Bah écoute, moi j'ai vendu, ouais.
Betterave, carotte, après il faut autre chose. C'est quoi qui se plante déjà? Je sais plus. Bon, on va remonter. Là par contre, il va falloir des compos dans les bois, réparer le téléphérique au niveau 5. Placez-le dans une pièce pour pouvoir tout allumer ou éteindre tout en même temps, idéal pour gérer l'alimentation électrique. Que la lumière soit, mais vous pouvez également le vendre ou le démonter. Ah non, mais je sais ce qu'il faut qu'on fasse. C'est le niveau du dessus. Il nous faut du verre. Eh oui. Pour l'instant, on va ranger tout ça. Est-ce que je l'ai lu ce truc là? Ah oui, encore plus musclé, je l'ai lu. Je vois pas ce que je fais par contre. Hop, les bouquins sont là. Alors, là on a l'énergie là-bas, là on a les lettres. Ici on a la raffinerie pour un truc que j'ai pas encore puisque j'ai pas accès. J'aimerais bien augmenter l'établi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ça, tape dans le volant, je te dirai rien. Il nous faut du verre à foison. Du verre à foison. Est-ce qu'on peut se faire un peu de maille ou pas? J'ai rien à bouffer parce que c'est tout dans le frigo, mais c'est normal. Ah mais il n'y a pas le facteur, bon Dieu! Il n'y a pas le facteur, 20ème édition. Ben oui, je suis trop bête. Il n'y a pas le facteur, sa mère la cacahuète. Yeah, yeah. Il y a quoi là-dedans? Là, on enchaîne sur 3 jours sans eau, là. Oula, ouais. T'es à 3 mois, toi, de survie. Ouais, bah cherche pas, je crois que t'as raison. Hein. Ça pue quand même. Hein. Un tout petit peu, parce que toi, 3 jours sans eau. Ouais, c'est pour ça qu'il faut des trucs dehors. Bon. J'ai dehors. Par contre, je vais peut-être rajouter un saut, du coup. J'ai 205 balles. Ok, on va aller ranger un petit peu 3 trucs là. Là on est pas mal, là on a de l'eau, un petit peu. On a quelques grenades. Bon. Où est-ce qu'on peut aller faire un peu d'argent? Maïs, jardinière, je l'ai le maïs, carotte, betterave. Jardinière, jardinière. Ah oui, bah faut qu'on aille encore vendre les pots de l'autre là. C'est pareil, mais en faut que 5. Mais non, il n'y a pas le facteur, putain! Oh là là, c'est pas vrai d'être bête comme ça! Ah non, il faut que je dorme. Un troisième générateur, un deuxième frigo. Hein. Ah oui, pareil. Exactement ce que je viens de faire. J'ai mes 3 générateurs dans une salle en bas. Dessous le jardin, là. Ouais, ok. Ok. Donc il fait pas. Faut que je juste j'achète des trucs en verre quoi. Vêtements chauds c'est fait. Ça va être. Je pense que les vêtements chauds ça va être fait pour la caverne. Alors. Plastique et métal, c'est quoi? Bon, j'ai mis 3 seaux dehors. Je vais voir si ça fonctionne.
qui a plus de flotte ou pas quand il pleut. J'ai plus de métal. Ah, ça veut dire caverne. Ah, il y a encore. Oh putain, encore aujourd'hui sans le postier. Zut. Bon, on va collecter des ressources, je pense, là. Ah, il faut que je fasse des pioches aussi, je zappe. J'ai la masse de plastique. Ah ouais. Donc, ça se passe comment? Où sont mes munitions? Je vais pas tirer avec. Deux sauts supplémentaires. On va se dire que ça va récolter beaucoup d'eau et puis... Ah, elles sont là mes munitions. Et elles pèsent zéro, pourquoi je les ai rangées? Je suis un tocard. Ok. Les peaux d'animaux, de toute façon, je vais pas pouvoir faire plus. Donc. Ok, allez, on va partir en explo. La décharge, c'est pour rouler avec la voiture. Allez. Ça, c'est de l'argent facile. On va explorer le niveau 5. Hein. Ah, il y a tous les animaux ici avec les pièges. C'est pratique. L'ambiance sonore de la forêt là, quand t'arrives à partir du niveau 4 là, où c'est tout sombre. Ah, c'est un délire. Ah, il y a encore des bestioles. Ok. Pas allé, plus que niveau 4 pour l'instant. J'ai pas eu le temps d'explorer avec la voiture. Ah, moi j'ai fini niveau 4. Là, de toute la session, là, j'ai pas été encore. Ok. Tu vois, avec la voiture. Faut dire à quel point. Actuellement, je suis resté à la maison 90% du temps, je crois. Je suis allé une fois à la maison. Hein. Non. Je suis mort. Allez. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. Je l'ai fait. Eh, parce que je suis un connard, j'ai pas du tout équipé mes trucs. Oh là là. Tu fais crever encore comme un con. Comme il me dit, je suis fatigué, une petite sieste, sa barre d'endurance, elle est aux trois quarts. Putain, et ça saoule les rats. Hein. Il t'attaque alors que t'es même pas sorti. Oh putain! Foutez le camp! Je sais pas pourquoi je suis venu me faire chier là. Allez, je m'en vais. Au revoir. Hé, hey, il m'attaque alors que je suis en train de faire le voyage rapide. Ah, oh, j'ai plus du tout de vie, let's go. Mais non, t'es pas fatigué, Michel. Pas de flotte. Oh merde, toutes les plantations ont plus d'eau. Ok. Ah, j'ai pas les graines de maïs à chaque coup. Ah, peut-être parce que j'en ai eu deux la dernière fois.
Hop là. Bon, c'est pas grave. Ok, j'ai des petites tomates. Tomates, maïs. Pas besoin de beaucoup de place en fait. Hein. On va pouvoir ranger les aliments là-dedans. Encore passer cette journée sans le facteur parce que tu peux rien faire, c'est chiant. J'ai 205 balles en plus, je peux faire grave des trucs. Réservoir d'eau. Piège à loup. Bon, ok. Raffinerie, on en a pas besoin pour l'instant. Là, vu que j'ai pas la poste, je sais pas trop quoi faire. Trouver l'objet illégal, gagner la confiance de Joe, mais ça faut retrouver le chien dans la forêt. Gagner. En fait, une fois que tu trouves le chien. Tu cherches le chien ? Non, je vais pas trouver. Tu l'as trouvé toi ? Oui. Ok. Ouais. Si tu trouves le chien, non, tu gagnes la confiance. La bah ouais, mais j'ai pas trouvé le chien. Si tu gagnes la confiance, tu l'as trouvé où dans quelle zone? Niveau 4? Niveau 4. Bah oui, okay. J'ai pas le 5. Bah j'ai retourné. Ouais, donc si tu trouves le chien, tu gagnes la confiance de Joe. Si tu gagnes la confiance de Joe, il devrait te donner l'emplacement de Fort Mécouille. Dans la logique des choses. Alors... On va se boire peut-être un petit canon de remontant, non? Le toutou! Et voilà, je me fais attaquer. Ah non, c'est bon, quelle chance. Ah, ça attaque plus vite, ça. Tu utilises quoi comme appât, toi? Rien pour l'instant, mais sinon je fais un petit peu tous les appâts. Les gros légendaires pour avoir plus de trucs. Moi c'est ça. Souvent les gros gibiers que j'utilise parce que je farme le cerf, mais c'est vrai que... Moi je me dis que les légendaires c'est peut-être plus valable. Bah ça dépend de l'argent que tu veux mettre dedans, mais ouais. Pff, moi ça dépend bah, vraiment des fois. 14 balles en fait pour pas être sûr d'avoir des thunes. Ouais ouais c'est ça. Puis c'est long en plus. Plus l'appât est gros, plus la bestiole est longue à capturer. Oh bah oui, super. Oh bah c'est pas trop mal. Ok, pas le chien. Les loups, ils meurent avec un coup de couteau. Mais allez, arrête d'être con. Et les morceaux de bois ne respawnent pas. Enfin, les gros troncs à couper, là. Bah le chien, je sais pas où il est ce con là. Allez, on a la dernière zone. Oh, j'espère qu'il n'y a pas un combat de fou parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut.
Alors. Ah bah la cage, je suis con, évidemment. Quel abruti. Merci. Je suis trop bête. C'est rien. Hey Chupacabra, c'est toi. Ouf. Oui, c'est moi, connard. J'ai déjà vu... non, pardon. Hey mon pote, comment tu t'es mis dans ce pétrin, sortons d'ici. Rouf. Parce que je suis un chien. Je suis fatigué, une petite sieste. Tu n'es pas fatigué, t'as un jour d'endurance à ta fin, nom de Dieu. Nous allons voyager chez le copain. Eh oui, il y a une cage à un moment. J'aime beaucoup quand. J'aime bien beaucoup, putain. J'aime beaucoup j'aime quand bien beaucoup. Te propose de racheter des plats que tu ne sais pas faire. Après, tu les démantèles et tu sais les faire. Non, c'est pas ça. Bah non, puisqu'il faut lui vendre d'abord. Ah, c'est bon, je suis à. Je suis chez Joe. Oh Joe, comment ça va? Salut Joe, j'ai une question. Vous connaissez Fort Observer? Je sais que c'est quelque part dans le désert, blablabla. Bla bla. Je sais peut-être de quoi vous parlez, mais vous savez, mon pote, rien blablabla. Bla bla, pas dans le climat politique, c'est sûr. Mais peut-être que si vous me donnez un coup de main ici-là, je vous ferai confiance. Ça, on sait. C'est triste que vous ne pensiez pas. Je suis l'un de... Mais bon, je vais vous prouver que je suis digne de confiance. Ah oui, mais je viens de te retrouver ton chien, espèce de connard. Parlez. À Chupacabra. Demandez. C'est un bon garçon. Chupacabra ne fait pas stupidité, ok. Oui, l'histoire, on l'a déjà vue. Oui, 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 oui. Parlez alors. Salut Joe et Chupacabra, je suis content que vous ayez retrouvé. Il s'est enfui dès que j'ai libéré. Ah, au prépeur, c'était vraiment vous. On ne saurait pas trop vous remercier, mon frère. Vous avez une idée de qui voudrait blesser votre chien? Je sais même pas si c'était une personne. J'ai le sentiment que les chiens deviennent fous à cause des ondes, comme nous tous. Oh, ça me rappelle. Pourquoi ce nom? Vous avez eu une expérience avec, vous savez, un Chupacabra? Quoi? Non, évidemment, le Chupacabra n'est qu'une légende idiote. Je pensais justement que le nom était marrant, c'est tout. Oui, bien sûr. Ok. Et prépare, j'ai quelque chose pour vous. J'ai trouvé une carte d'accès avec compagnie minière de Murikaville écrite dessus. Vous ferez peut-être bon usage. Ah, ah bah c'est le niveau de la grotte. Tiens, bah pour le coup, ça n'a rien à voir avec. Ça se pourrait bien. En fait, merci j'ai Joe. Fini au niveau des niveaux de grotte pour le coup. Et on veut pas savoir. Le truc que j'ai avancé. Fort Observer. Non mais. Salut Joe, j'ai une question importante. Connaissez-vous Fort Observer? Blablabla. Bla. Mais vous savez, mon pote, rien de personnel. Pas dans le climat actuel. Ah, donc Chupacabra, c'était pas ce qui va débloquer Fort Guantanamo, là. Maintenant, on va aller à la grotte. Ah, il fallait les vêtements chauds, en plus. La mine du vieux bisou, parce que j'ai oublié le nom du truc. Allez. Moins 4. C'est le moins 4 ou le moins 5? Moins 4. Et là, vu qu'il fait froid, il fallait la veste chaude, c'est ça? Oh, j'ai pas de pioche, j'ai rien, je suis parti comme un sbarloul. Bon, ben, on a un nouvel endroit à explorer. Super, une machine de forage avec du pétrole. Très bien, ça. Est-ce qu'il a de l'essence, le père celtique, ou il est pas du tout d'essence? Oui, il a du... J'en ai, let's go. On va mettre les 5 dedans. Il est énorme. On va pouvoir récupérer des champis. Ah. Il fallait une pioche. Bon bah très bien. Bon bah voilà, on sait quoi explorer maintenant.
Ça, en plus, ça aura fini d'ici ce que je revienne, puisque ça va être demain. Entrée. Et on va prendre pioche. Et on va s'équiper pour explorer la grotte. Ah, cool. On avance. 30 composants électroniques et 30 métal. Ça va pas être une mince affaire. Bon, les composants électroniques, on sait où les trouver, mais il faut de l'essence. Donc en fait, il faut aller retourner au moins 5 à chaque fois. Ok. C'est l'heure de dormir. Sauf qu'on va d'abord prendre la flotte. Pas prêt ? Ok. Pas d'eau là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici ? Demain, on aura le facteur. On pourra enfin... enfin faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire une cuisinière ou pas ? Je vais cuisiner en haut. Hein. Je pense qu'on va dormir en fait. Ce sera plus simple. Joe essaie de revenir un nouveau jour pour de nouvelles choses. Oh. C'est bon, le facteur est là. Enfin, putain. Il s'est fait attraper par les... par la commandanture. Nice. Graines de maïs. Si elle veut quoi? Deux placards. Attends, faut qu'on achète les bouquins de fou là. Projet Iceworm. Apprenez à gérer les températures très basses. Dissuasion et représailles. Plus efficace au combat. Fabriquer plus rapidement. Faire pousser les plantes plus rapidement. Iceworm, ça peut être pas mal. Je sais pas, il y a les vêtements chauds aussi, mais bon. Fabriquer plus vite. Non, allez, on va faire fabriquer plus vite. Non, je vais pas vendre ça, moi. Ah oui, tiens, gourmet, il veut quoi, gourmet? Ah, le maïs mariné et les cornichons. Bah, enfin! Il veut rien de ce que je lui propose à chaque fois. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Les cornichons, les maïs. Non, c'est pas ça. Deux frigos, c'est super. Oh, je fais 178. Hein. Boum. Épices. Celles-ci rendent votre vie dans un abri. Attaque de moustiques. Ah, des vrais moustiques. Oh, je peux acheter plus de trucs. Ah, livre de cuisine. Des idées pour pimenter votre vie dans un abri vous apprend de nouvelles recettes de cuisine. Ça y est, je suis passé niveau 2 chez Gourmet à force de jamais rien acheter. Oh, je peux acheter de la farine et du sucre maintenant. Trop bien.
Ok. Lui, il veut toujours pas donner de l'eau. Il pleut pas une goutte hein, depuis que j'ai mis mes 23 seaux dehors. Hein. Merci, quoi. Pareil pour moi. Franchement, c'est bon, quoi. Ça me saoule trop. Je vais pouvoir faire des gâteaux. Ouais, et mourir. Non, mais à chaque fois, je commence la journée en me disant je vais me préparer, je vais partir en expédition. Il y a toujours une dinguerie. Il est 21h37. Ah oui. Tu peux après, mais faut pas dépasser 3h du matin, sinon tu meurs. El Decedos. Bah bien sûr, non mais quoi qu'il arrive, tu peux même pas dépasser minuit en expédition, t'as vu la vitesse avec laquelle ça se... Succès ! I do it myself. Maximum DIY skill. Allez, qu'est-ce que tu vas faire mon gars ? Ah tiens, il y a l'autre là. Il y a Kat. Kat Mandou. Salut Kat. Au revoir Kat. Merci connasse. Bon bah on va acheter... Ah putain mais j'ai encore 237 balles. Je peux acheter v'là les livres. Plus efficace au combat. Ça, ça peut être pratique. Apprenez les abris. Ok, donc je vais juste commander ça. Et chez Gourmet, je vais commander le livre de recettes. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut, Nancy ? Deux placards, deux étagères. C'est parti. Deux placards. Et deux étagères. Toupiloup. Pipou, pipou, pipou. Maintenant, ça fait passer la musique quand tu reçois un cadeau. Ça fait toupiloup. C'est pas grave. C'est toi, Poupipou. Je veux du Poupipou, je veux pas du Poupiloup. Ah ouais. Oh, j'ai plein de bouquins. Nouvelle recette. Allez, hop. C'est pas ça. 80 balles. Ah, ça y est, je suis à fond chez Nancy. J'ai la réputation à fond. Par contre, supermarché, pas de réputation. Nancy, réputation à fond. Sergi, réputation à fond. C'est quoi la réputation à fond chez Nancy ? Bah, je sais pas, pour l'instant. Téléphone, plastique. Ah, je vais acheter aussi. Il faut que j'achète chez, chez Geston. Je suis à fond. Chez Jenny, je suis pas encore à fond chez Jenny. Truc d'orange, on s'en fout. Du maïs, j'ai ce qu'il faut. Ah, c'est des tournesols qu'il me faut. Hop, je vais acheter des tournesols. Parce que j'en ai plus. Ah, je peux vendre une hache. Chez Joe. Ok. Maintenant, on va retourner ici. On va retourner là. Ah oui, il y a des trucs, ça brille quand il y a quelque chose à faire. On va retourner au niveau moins 5 et on va aller récupérer ce qu'il a donné, le moteur là. La foreuse, le moteur. Pouette. Et normalement, ça donne la ressource qui est sur le tableau plus des pierres. Un petit peu. Pétrole, pierre. Faire. C'était nul. Fesse. Ok, donc normalement je vais raffiner le pétrole dans la raffinerie que j'ai faite à la maison et ça va me redonner plus de carburant. Donc maintenant je peux faire un peu un tour en illimité. Let's go, c'est trop bien. Je sais pas combien de temps ça va mettre par contre raffiner le pétrole, mais c'est bonne idée. Et la maison. Aïe aïe aïe. Ah oui, mon petit dos, j'aime bien quand il craque. Ah, les facteurs, bonjour. Allez, hop. Dis donc, j'ai plein de choses. Je pars enfin avec la voiture. Je suis meilleur au combat et j'ai plus de recettes de cuisine.
Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Tournesol dans une jardinière. Ok, il me faut une jardinière. Oh, la caisse de l'armée, elle est violente tellement il y a de place. C'est vraiment trop bien. J'aimerais bien avoir la caisse de l'armée. Tu la trouves ? Ouais, tu peux la trouver, t'inquiète. J'ai peut-être fait une connerie, peut-être que j'en ai trouvé une et que j'ai pas ramassé, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, ça peut arriver, mais c'est pas bien grave. J'ai dû l'ouvrir, prendre les trucs et pas prendre la caisse. Mmh. Et t'inquiète, ça se retrouve, j'en ai trouvé plusieurs. Ne t'inquiète pas. Oui, bah c'est pour ça. Alors, on a dit qu'il fallait planter le tournesol. Ah, la connerie. Voilà. Ah, il y a plus d'eau dans les tomates. Et là, on a quoi ? Du chou, parcelle de terre. Le chou farci. Ok. Alors, la raffinerie, est-ce qu'on peut l'allumer ? Et là, il y a encore assez de... J'ai besoin de pétrole, oui, ok. Inspecter. Convertit le pétrole des mines en carburant raffiné. Approprié. Recharger. Bon, ok. Ah, je vais pouvoir aussi aller mettre ça là-dedans. J'en étais sûr. Oups. On va fondre ça. On va récupérer les baies de Chantal Goyave. Ah non, c'est Guarana. Merde, j'ai été trop tôt sur la bosse. Oh, ma voiture est presque pétée. Ah ouais, en plus, il y a certains trucs, ça la kill instant. Hein. Merde. Ok, 100 balles, où je remballe. On va retourner voir, il est 19h, donc on va pas ressortir. Peut-être aller voir Joe. Gourmet, qu'est-ce qu'il propose Gourmet ? Oui, de toute façon, j'ai pas fait de nouvelles recettes. Joe. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi ? J'achète du verre. Ah oui, je peux acheter encore des bouquins. Alors, c'est quoi ça ? Apprenez à faire pousser des plantes encore plus rapidement. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Construire des pièces plus rapidement, gérer les températures très basses. Pour l'instant, je vais peut-être garder mon pognon. Ouais, je vais dormir en fait. Ah, sinon, je vais voir. Non. Qu'est-ce que j'ai comme outil sur moi ? Rien du tout. Ah, je lui ai déjà vendu les pots à elle. Et à Nancy, je crois que j'ai déjà vendu. Rien du tout. Bon, de toute façon, vu l'heure, c'est dodo. Pas le choix. Manger et on va essayer de se faire un peu de pognon. Voilà. Allez. On attaque. Gasoline. Ouais, par contre, une chaise en bois, je vais peut-être pas ramasser ça. Hein. On va voir. Alors. Tu prends tout, toi, quand tu pars en vadrouille ? Non. Oh, on vient de voir le journal pop et être jeté par au-dessus de la maison. Qu'est-ce qu'on a comme intempérie ? Pas d'eau. Ok. Ça coûte trop cher, ça. Il est... Oh merde, il faut que j'aille manger quelconque. Soupe de carottes, let's go. Ah, la troisième. Alors, confiture d'orange, il faut du verre, des œufs, la barre énergétique, le ragoût, viande de serpent crue. Ah, d'accord, il y a plus de trucs crus. Soupe de champignons en boîte, des pâtes. Ah, des œufs et de la farine.
cactus, concombre, tomate. Eh, mais normalement, j'ai ce qu'il faut. Je vais tout prendre en fait. Hop là, on va mettre un peu d'eau ici. Ah, ça a l'air d'être prêt ça. Planter du maïs. Ah bah nickel, le guarana, je vais pouvoir le foutre là-dedans. Allez, c'est parti. Non, il me faut du métal aussi, puisque j'aurai besoin de faire des conserves. Descends, Pedro. J'ai bien pris le métal, moi. Oui. Allez, c'est parti. Alors, sucre, sucre, vert. Ah putain, il faut du vert. Il faut des œufs. J'ai rien de tout ça, en fait. Nopal. Ah si, je peux faire ça. Un cactus, un concombre, une tomate. Oh, trop bien. Mais attends, mais je peux en faire la race. Ah, des nopales. Ok, cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, les boissons énergisantes. Soupe de betterave. Et voilà. Ah, parce que j'ai pas pris le sel aussi, je suis con. Hop, je peux faire ça. Soupe de carottes en boîte. Soupe de trucs en boîte, ça c'est bien pratique. Confiture, c'est du verre et du sucre. Ah, je peux faire une soupe de tomates en boîte. Let's go. Comme ça, ah oui, ça me permet de la conserver, mais tellement plus longtemps. Ok, trop bien. Et donc là, hop, soupe de tomates. Les oranges, il me faut du verre et de la farine, donc j'ai pas tout ça. Un repas à base de cactus, quoi qu'il en soit, délicieux. Ok. Bon, alors on va ranger dans le frigo le reste. Les champignons, les trucs là. Non, ça je les garde, les boissons. Hop là. Toutes les conserves que j'ai, par contre, c'est vraiment trop bien. Dommage qu'ils les achètent pas. Oh merde. Ah si, c'est bon. C'est fait pour. Bon bah c'était top ça. Cette petite session. Non non non. Est-ce qu'il y a plu ou pas? Il y a rien plu du tout. Hein. J'ai trois seaux et il pleut pas une goutte d'eau. C'est de l'arnaque. Je tiens à le dire, c'est de l'arnaque. Je me fais arnaquer. Les caisses de l'armée, elles s'appellent caisses de l'armée? Oui, c'est marqué Army et tu vois qu'il y a un stock de bâtards. Elle s'appelle pas caisse de l'armée. Si, si, elle s'appelle caisse de l'armée. Hein. Je sais pas, je crois que je les ai jamais vues en fait. Ah, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait l'argent? 14h. Nancy, qu'est-ce qu'elle veut? Des tapis. 4 tapis. Est-ce que je peux lui faire 4 tapis? Par contre, c'est où les tapis? Ouais, je peux faire 3 tapis. Allez, let's go, hein. Faisons 3 tapis. On va faire un max de thunes. Vous voulez les boîtes aussi, je crois? $80, ouais, ça vaut le coup. Hein. Oh oui, il pleut, let's go! Est-ce que tous les seaux se remplissent pareil ou pas? Oh, c'est une blague, les seaux se remplissent pas tous.
Si. Oh non, je me suis arrêté au quatrième arrêt, j'avais plus de carburant. Bah, fait chier. Bon, on verra. Ah, mais j'ai pas d'eau en fait. Ah, c'est la méga baise. Y'a de l'eau là-dedans ou pas? Je crois que j'ai tout siphonné. Ah non, c'est bon, y'a de l'eau ici. Mais bon, ça me suffira pas. J'ai tout sifflé. Cool, les choux. Jardinière pour le maïs. Bah d'ailleurs, je vais pouvoir le replanter. Merde, j'ai oublié d'utiliser. Putain. T'as oublié de? Merde, je suis trop con, juste. J'ai oublié de faire un truc quand j'étais dans le désert et j'ai la mort. Ah oui, ça m'a donné 4... Pourquoi il n'y a plus de courant? Ah, parce qu'il manque du bois là. Faut que je retourne au... Ah, le courrier, faut que je retourne à la mine. J'ai pas de pioche. Là, mais qu'est-ce que je suis bête. Frigo, il fonctionne pas quand l'électricité marche pas. Ah bah non. Ça pue ça un peu. Bah oui. C'est pas... Mais j'ai pas le choix. Je vais m'évanouir donc je suis obligée de passer au lendemain. Ah bah oui. Ah super, jour du passage du connard. Ah oui, bah oui, j'aurais peut-être pas... Ah merde, il me faut du métal et du verre. Bon bah on va commander ça. Métal, un truc qui fait 5. Ah oui, j'ai tout commandé, full métal. Alchimiste. Alchimiste. Bien joué. Est-ce que ça triche ou pas? Ah oui, ça triche. Quand tu fais une commande, si tu commandes d'autres trucs, ben ça arrive tout en même temps. Mmh, je sais. Ouais, je sais. Moi, je connais tout. Je suis trop une dingue. C'est pas de la triche. Je veux. Mais c'est pas possible dans les préparations. Ah, demain, ça va être une journée préparative à fond. Hein. J'ai beaucoup de choses à démanteler. Heureusement que j'ai pris le truc pour faire plus vite.
Sinon, j'étais futu. Futu. T'es futu. Oui, F-U-T-U. T'étais futu. Trop futu. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, je ne suis pas futu. Super, j'ai 3 seaux, ils servent à rien, ils sont à moitié remplis. Toi aussi, tu t'es fait avoir avec les seaux, là. Surtout qu'il y a l'autre con qui passe, et comme le maximum légal, apparemment, c'est 2 seaux, bah, je vais devoir en sacrifier un alors qu'il est à moitié plein. Ah, ça, je savais pas. Il y a écrit quand tu passes devant le truc, quantité sûre, 0 à 2. Ah, c'est ça le truc. C'est trop bien, je savais pas, merci. J'avais pas capté. Ah. Pas de me moquer. Si tu veux. Merde, bon, tant pis. Ah, lui aussi, il faut lui acheter des trucs, c'est un peu chiant. Lui, il va être dur à monter. Et elle, à part tapis vintage de Jenny, guarana, serre, tomate, j'ai déjà. À part, ouah, je vais lui vendre ça au pire, tu sais quoi, tant pis. Comme ça, on fait augmenter la confiance. Ça va bien. Lui, c'est des pierres précieuses, je peux lui vendre un couteau. Joe, j'ai pas encore la confiance à fond. Tac, j'allais le voir le soir. Sucre. Qu'est-ce qu'il y a? Champignons, viande de serre crue, concombre. Ouais, bon, c'est pareil. Lui, il faut que je lui achète 2-3 bricoles. Ah, les vieux journaux. Tiens, elle va me débarrasser de mes vieux journaux. C'est une bonne idée. Bah, j'ai plus de place dans mes frigos. Planté. Jeu de suspicion 6%. Planté le tournesol. Ah, et où le maïs? Cinq.
Est-ce que je peux vendre les tournesols? Oh, j'ai eu plein de thunes là. Les tournesols. Oh oui, je peux vendre les tournesols. À toute Kibito. Salut. Faut vraiment qu'on aille ici. Mais tu sais quoi, on va y aller tout de suite. Maintenant, c'est ici. Ah, et après, il faut que je passe voir Joe. Ok, let's go. Moins 4. On va aller en bas. On remet l'essence dans le truc. Après, tu me diras, je peux acheter de l'essence à Joe aussi. Hein. Mais bon. Ah, mais si, il y a du pétrole, du sel, des pierres, il y a un peu de tout, hein. Ah, mais je suis trop bête. J'avais pas rempli à fond. Enfin, c'est pas grave. Alors, juste, on va équiper notre ami Prepper d'une double pioche. Ah non, même pas. On va m'équiper avec une hache et une pioche. Oh non, la bouffe a périmé dans ma... Ah, fait chier. J'ai des concombres et 10 oranges en train de périmer. Putain d'oranges. J'ai oublié que j'avais des ressources en fait, tu sais, dans ma... C'est pas grave. Dans mon sac à dos, tu sais, dans un truc rapide. Ah oui, puis maintenant que je suis meilleur en combat... Ah bah ça rigole plus là. Ah ah, une boîte. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, énorme. Tout. Maintenant, on clique là. On va regarder ce qu'on a reçu. 10 munitions. Ça, c'est top. On a reçu 5 champis. On a reçu surtout du pétrole. Et des pierres précieuses à vendre. Ça, ça va faire du bien. Pas la pioche, la hache. Oh, je tape, je tue 4 chauves-souris d'un coup. Hein. C'est une dinguerie. Allez. On va explorer ce niveau-là. C'est laquelle elle a déjà fait. Hop. Ah, peut-être qu'on va trouver les lunettes de Bob. Qui sait. Parce que Bob, c'est là-dedans, donc ce serait logique de trouver les lunettes de Bob ici. La dernière fois, on avait trouvé sa veste. Je ne peux pas aller par là. Ah oui, bah oui, quel con. Ah! Oh là là, le passe d'après et des ratous. Go! Ils sont tous morts. J'ai jeté une grenade, j'aurais peut-être dû garder. Je suis meilleur en combat, vous ne pouvez rien me faire! Ah, quoique. Grenade! Ils sont tous morts. C'est gagné? Oh! Oh ce que. Ce que je leur ai mis! Inadmissible. J'ai jeté une grenade, les ratous, paf! Ah, ciao, bonsoir les ratous. On va finir bientôt l'émission. L'épisode, je veux dire, l'émission. Le gars, il se croit à la télé. Ah, c'est le pass moins 5 de la mine. On va quand même finir d'explorer ça. Game over. Ouais, ouais, je sais, game over. On va finir d'explorer ça. Pioche. Allez, let's go. Oh, il y a 2 trucs à piocher, dis donc. Paf. Oh, ça m'a donné des super pierres précieuses. Énorme. Et là, hey, du pétrole. Ah ouais, let's go. Trop bien. Allez, toutes les chauves-souris, là, ça dégage. Attaque, attaque. Trop de balles. Qu'il est bête.
Oh non, my goodness. J'ai plus de place. Je peux rien jeter en plus. Fuck. Faudrait que je revienne là. Ah mince. Alors. Est-ce qu'il a creusé beaucoup lui ou pas? Non. Bon bah je suis obligé de revenir à l'entrée. Hein. À l'entrée, il faut que je revienne au moins 4. Et que j'aille chercher la caisse. On fera ça... Vous savez quoi? On va le faire tout de suite parce que sinon je me connais, je vais oublier. Par contre on a v'là du pétrole pour la raffinerie, ça va être trop bien. Putain, j'ai encore envie de jouer. Hein. Doudou, t'as encore faim ou pas? T'as encore faim. Genre comme si elle avait... Ouais, j'ai toujours faim, Morion. Par contre, vas-y, si tu veux, on... Non, bah non, non, non. Non. On s'arrête là et on reprendra plus tôt, comme ça. Réfléchis au sens logique des choses. Ah, j'ai oublié. On s'arrête là, comme ça, on pourra reprendre plus tôt. On se pose et après c'est surtout je vais oublier ce que je dois faire. As-tu une note? Pour de vrai? Ah oui, ça peste quand même 32 le bordel. Ok, on finit juste ça la journée et après on arrête. Sinon tu manges devant. Non, on va aller se poser tranquillement. On mange devant trop souvent. Non, on arrête ça de manger devant. Enfin, faut éviter. Caisse de l'armée, quantité sûre, 0 à 1. Ok. Je vais vite fait vendre ça, il est 23h, je peux encore aller vendre des trucs. La bouffe périmée. Ça fait toujours 7 balles. La chasseuse, il n'y a rien. Ah oui, c'est dans les mines, là. J'ai grave des trucs à vendre. 139$ ce que je viens de trouver, là, sur ce run. Et je peux acheter le... Ouais, construire les abris. Je vais mettre le projet Ice Worm, là. Je pense qu'il va être obligatoire, arriver au niveau moins 5. Ça me paraît pas mal. Joe, il n'y a rien de spécial. Gourmet, il n'y a rien de spé. Nancy, c'est pour faire du pognon, mais là, j'en ai pas besoin immédiatement. Métal, métal. Je sais plus combien il me faut de métal vendu. Ah ouais, parce qu'il faut que j'améliore mon benchwork, j'ai oublié. Là, il me faut du verre. En pagaille. Alors par contre, la raffinerie, ça taffe dur. Hein. C'est pas mal du tout, la raffinerie. Hein. Y'a plus de bois, là, ou c'est juste que ça a fondu le peu que j'avais? En fait, les matériaux, tu peux les garder sur toi, ça pèse rien. Que la raffinerie, c'est la sœur de Lara Croft. Je ne sais pas. Merde, j'avais pas vu l'heure. Deux facteurs arrivent. Pas prêt. Ok. On va prendre la poste et se coucher et arrêter l'épisode ici. Et il faut juste que je note... mine... Moins 4 coffre. Ah oui, en plus je viens de choper un bouquin, alors on va vite fait le lire. Succès. Projet Ice Worm. Lisez un livre par rapport à la survie dans le froid. Tu l'as pris sur le bouquin? Non. Non. Voilà, on a bien avancé là, je trouve, aujourd'hui. On a fait 3 heures, on s'est bien avancé. Voilà, ça sauvegarde. Eh bien, mesdames et messieurs, ça signifie que c'est la fin de cette VOD. Merci de l'avoir suivi sur YouTube.
Et merci d'avoir suivi sur Twitch. N'hésitez pas à... Hop là, on va quitter tout de suite. Lâchez votre petit follow sur la chaîne YouTube ou venir nous voir sur Twitch. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram pour les petites infos. Vous avez... Ah oui, demain d'ailleurs, il y a le petit post sur Insta, je suis en train de me dire. Discord, si vous voulez garder contact avec nous. Il y a le site, le compendium de Celtic Robin qui est déjà disponible et un jeu de société qui est en cours de création. Voilà, dans les gros projets. Donc, pour ceux qui sont sur Twitch et qui sont sub, vous avez la rediff rapidement rangée au propre. Et pour ceux qui sont sur YouTube, bah, vous l'avez une rediff par jour, le soir à 20h. Des jeux qu'on fait en stream à histoire. Voilà. Merci YouTube d'avoir regardé cette petite VOD. On espère évidemment que le jeu vous plaît toujours. Moi, je suis bien content d'avoir autant avancé là, sur ces trois derniers épisodes, ces trois dernières heures. On a fait beaucoup de progrès dans l'histoire. Ça stagne pas trop. Et il faut que je remette du contenu dans la section armes. Ouais, on va se faire ça tranquillement au couteau. Là, je suis en train de le refaire aussi, le site. Donc, on va se faire ça peinard. Allez, je fais une petite outro pour YouTube. Twitch, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Bisous.